Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des expériences de la section de physique de l'EPFL. Sera nulle sur le système formé de moi-même et de la roue. Donc lorsque la roue me sera tendue en rotation comme ceci, d'accord, il y aura un certain moment cinétique qui est orienté selon mon pouce. Si maintenant j'inverse la roue, je change l'orientation du moment cinétique, mais comme la résultante du moment de force doit être nulle, il faut que le moment cinétique soit conservé. Et donc pour compenser la variation de ce moment cinétique dû à la roue, il faudra que le tabouret et moi-même la compensions en tournant dans le sens trigonométrique. Voilà, donc je vais tourner la roue d'un quart de tour. Voilà, pour compenser pour conservation de moment cinétique. Voilà, je la tourne d'un autre quart de tour, vous voyez, je tourne deux fois plus vite. Et puis maintenant, je reviens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de mettre un pouce bleu, et cliquez ici pour d'autres expériences.